C'est un sujet qui fait peur à certains parents, voire tabou dans quelques foyers, la sexualité. En quoi est-ce important d'aborder ce sujet avec nos enfants? Comment le faire et à partir de quel âge? Ça vous parle, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Si l'éducation affective et sexuelle est fait partie du rôle des parents, aborder ces questions avec ses enfants n'est pas évident. Pour en parler ce soir, Maëva Maff, infirmière et intervenante du comité de promotion en santé sexuelle, le CP2S, et Martine Noël, médecin sexologue de l'association Solidarité Sida NC. Elles répondront notamment à des questions de parents que nous avons reçues via le net. En France, plus de 4 jeunes sur 10 n'ont jamais parlé de sexualité avec leurs parents par pudeur ou par peur de jugement. Alors qu'en est-il au pays? Nous avons été à la rencontre de jeunes calédoniens pour avoir leur avis sur la question. Au cours de l'émission, on se penchera sur la problématique de l'exposition à la pornographie dès le plus jeune âge. Quelles conséquences cela peut avoir sur la santé sexuelle de nos enfants? Et pour terminer, on changera d'univers avec Thibaut Bizien qui nous parlera de l'importance de la mangrove. Bonsoir mesdames et bienvenue sur le plateau de Ça vous parle. Bonsoir. Pour commencer la discussion, je vous propose que l'on écoute les jeunes. Nous sommes allés à leur rencontre pour savoir s'il leur arrive d'aborder la question de la sexualité à la maison avec leurs parents. On les écoute, ils témoignent à visage caché. C'est un sujet qui n'est pas du tout abordé. C'est un sujet qui est très très tabou. C'est, on va dire que c'est, ça fait partie des mœurs et de la mentalité des Océaniens, je crois. Moi, perso, de sexualité, je parle dans une sphère familiale qui serait plus avec dans l'ordre de la fratrie, mais pas avec les parents. C'est un sujet que l'on n'aborde jamais. Ça m'arrive d'en parler avec mes tontons, les frères de mes mamans, ou les frères de mes papas, mais c'est à titre très, on va dire, c'est hyper rapide. Alors du coup, vous les filles, comment ça se passait à la maison? Est-ce que vous arriviez à parler de ces choses-là avec vos parents ou pas du tout? Pas forcément avec nos parents, mais avec mon frère et soeur, oui, ça nous arrive de temps en temps. C'est à l'aise, ouais, ça passe mieux, quoi. Ouais. Est-ce que c'est gênant pour eux de parler de ça avec vous, ou même vous, vous préférez pas en parler avec eux? Moi, c'est dans les deux sens. Mais pareil. Oui. Ben, oui, c'est trop gênant, parce qu'après, il ouais, y a des questions à poser, y a certaines questions, c'est un peu compliqué, quoi. On l'a entendu dans ces interviews, ces jeunes ressentent une gêne d'aborder ce sujet avec leurs parents. Maëva Maff, vous qui intervenez dans les établissements en tant qu'infirmière, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer aussi avec les jeunes? Oui, c'est quelque chose que l'on observe au quotidien, que ce soit au collège ou au lycée. Les jeunes ont forcément de la gêne de parler de ces sujets-là, parce que ce n'est pas facile d'en parler à la maison, comme on voit dans les micro-trottoirs. En parler entre nous, entre copains, ça va, mais avec le côté parent, c'est beaucoup plus délicat. Alors, Martine Noël, comment expliquer que la sexualité soit un sujet aussi sensible, voire tabou? En réalité, la sexualité, c'est une fonction comme les autres fonctions humaines, comme respirer, comme manger, mais c'est une fonction qui est également éminemment sociale, puisqu'elle nous amène à rencontrer l'autre ou d'autres personnes, à être en contact avec. Et donc, dans toutes les sociétés, c'est une fonction qui a été encadré et régulé par la société, qui dit ce qui peut se faire ou ne pas se faire. Et donc selon des critères qui sont culturels ou religieux. Et ces critères peuvent être très différents selon les sociétés dans le monde. Et d'ailleurs, ce sont des critères et des règles qui sont aussi amenés à évoluer dans le temps. Ce qui n'était pas permis auparavant peut être permis maintenant. Donc ça, déjà... En fait, le fait qu'il y ait des critères religieux, par exemple, fait que souvent on a réduit la sexualité à la reproduction, alors que la sexualité, c'est aussi la recherche de plaisir et la rencontre avec l'aspect relationnel avec d'autres personnes. Et donc, évidemment,
si on réduit la sexualité à la reproduction, ça fait que quand on est adulte, c'est une des choses qui intéresse les adultes, mais par contre, le petit enfant, lui, les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Et un problème, c'est souvent aussi qu'on projette sur les autres, sur les et notamment enfants. Les enfants, les idées que soi-même on a sur la sexualité. Et donc, on peut être donc gêné quand, en tant qu'adulte, on voit la sexualité au travers de la séduction, du plaisir, de l'acte sexuel, etc. Mmh. Et donc, on se retrouve en difficulté mentalement à parler de ça avec les enfants, alors que les besoins des enfants ne sont pas par rapport différents. À ça. On a entendu dans l'interview du jeune homme qui semble, enfin, il dit que c'est tabou chez les Océaniens la sexualité. Ouais. Est-ce que c'est que chez les Océaniens ou au contraire? En réalité, c'est tabou, je pense, dans toutes les cultures, y compris chez les Européens. Si vous posez la question à des jeunes Européens, ils vont vous dire très certainement que eux non plus, ils ont du mal à parler de sexualité avec leurs parents et que c'est plus facile avec leurs frères et sœurs ou avec des cousins ou avec des copains à l'école. Alors avant de donner des conseils, en quoi c'est important de parler de sexualité avec les enfants, Maëva Maffre? C'est important dans leur développement global, en fait, dans leur vie de tous les jours, pour leur vie future. Et en parler dès le plus jeune âge, c'est clairement primordial d'essayer de faire ça au quotidien. Et c'est vraiment primordial pour leur développement et leur relation avec les autres personnes. Mmh. Pas que des relations amoureuses et affectives. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut développer les différents aspects? Il y a l'aspect, par exemple, santé, avec tout ce qui est... Donc, effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait réel. En fait, les enjeux, ils sont immenses, hein, pour l'individu comme pour la société. C'est-à-dire que pour l'individu lui-même, c'est très important d'éviter les risques liés à la sexualité, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées la sexualité sous la contrainte. C'est important pour l'individu aussi pour qu'il puisse accéder au bien-être, avoir une certaine confiance en soi, accéder à un plaisir dans une sexualité consentie. Avoir la liberté de choix aussi de son orientation sexuelle, mais c'est aussi important parce que il y a des enjeux sociétaux et je pense que ça doit questionner, ça questionne le vivre ensemble, comment on doit se comporter entre nous. Mmh. Donc la sexualité, c'est pas que l'acte sexuel, c'est aussi comment on se comporte avec nos partenaires, comment on les approche. Et ça questionne aussi les rôles qui sont attribués aux hommes et aux femmes, notamment en général, mais aussi dans la sexualité. Et donc, ce qui constitue, donc les rôles attribués, c'est ce qui constitue le masculin et le féminin. Mm-hmm. Donc la société, est-ce qu'elle est prête à se questionner sur les rôles attribués, mm-hmm. y compris dans la sexualité? Alors, on a abordé beaucoup de choses, les IST, les IVG, la notion de consentement. Vous, dans votre quotidien, vous êtes infirmière aussi intervenante auprès du CP2S. Est-ce que c'est des problématiques que vous rencontrez sur le terrain, tout ce qui est IVG, rapports sans consentement? Oui, complètement. Ce sont des problématiques sur lesquelles on essaye d'avoir des débats. On essaye vraiment de discuter avec les jeunes et pour vraiment leur apporter quelques informations, leur apporter des données et surtout leur donner l'opportunité, de nous poser des questions. Parce qu'en effet, on se rend compte que sur toutes les infections sexuellement transmissibles, sur le consentement, sur les moyens de contraception, ce sont des choses qu'ils pensent connaître, des sujets qu'ils pensent connaître et en fait, ils se rendent vite compte qu'il y a beaucoup de lacunes, mais c'est normal, on ne peut pas... Oui. Si on ne l'explique pas, on ne peut pas le savoir. C'est tout à fait normal, on est là pour essayer de leur apporter des réponses, pas pour leur dire comment faire dans telle situation. Alors l'un des enjeux de parler de sexualité avec ses enfants, c'est aussi lié à la problématique des écrans. Avec le développement du numérique, les jeunes sont particulièrement exposés et plus particulièrement à la pornographie. L'Agence sanitaire et sociale et ses partenaires ont lancé une campagne sur les dangers du numérique. Je vous propose que l'on regarde un des spots de prévention suivi de l'interview d'Hélène Pichot, directrice adjointe de l'Agence sanitaire et sociale. Papa, je m'ennuie. Tu pourrais prêter ton téléphone, s'il te plaît?
Oh. Papa, il y a une vidéo avec des gens tout nus, je sais pas comment l'enlever. Oh, c'est chaud. Papa, je m'ennuie. Tu pourrais prêter ton téléphone, s'il te plaît? Ah, tu mets un contrôle parental, toi. Ouais, crois-moi, ça vaut mieux. Donc on a lancé cette campagne en partenariat avec l'OPT pour inciter les parents à parler de sexualité avec leurs enfants et dès le plus jeune âge. Donc parlez-en avec vos enfants parce que plus tôt ce sera fait et le moins vous les laisserez seuls face à cette question et le moins ils auront besoin d'aller chercher des réponses sur Internet et de se retrouver vulnérables par rapport à ce qu'ils vont trouver comme image. Et donc cette campagne vise vraiment à inciter les parents à amener le sujet, à aussi les inciter à mettre en place des contrôles parentaux sur les dispositifs digitaux pour leurs enfants et pour faire en sorte qu'ils ne soient pas exposés à des images qui ne sont pas adaptées à leur âge. Parce qu'on s'est rendu compte dans le cadre du baromètre santé jeune que les jeunes sont de plus en plus exposés aux images pornographiques et de plus en plus avec l'âge. C'est-à-dire qu'à 12 ans, on a déjà un jeune sur cinq qui a volontairement ou involontairement vu des images à caractère pornographique. Alors Martine Noël, en quoi l'accès à des contenus pornographiques peut nuire à la santé sexuelle des adolescents ? Alors moi je dirais que premièrement, il y a un risque chez les plus jeunes, chez les enfants jeunes, parce que en fait très souvent ils accèdent à des images ou des contenus pornographiques de façon totalement involontaire, alors qu'ils sont en train de faire une recherche sur une tablette ou sur un téléphone, et très très rapidement en fait ces images vont survenir sans qu'ils les désirent. Et, par surprise, voilà, et ça peut provoquer une effraction mentale involontaire de ces images qui lui sautent au visage en gros plan. Et s'ils n'ont pas le recul, ils vont avoir l'impression qu'en fait ça leur arrive à eux. D'accord. Et ça peut leur provoquer des sentiments mêlés, avec parfois un peu d'excitation, mais aussi parfois de l'effroi, de la peur. Or, le danger, c'est que toutes les émotions qui sont liées à l'apprentissage peuvent persister par la suite. C'est-à-dire que dans l'avenir, pour certains, peut-être que la notion de sexualité peut être reliée du coup à la peur. D'accord. Donc c'est très important que les parents en parlent avant, j'allais vous poser la question. Que ces enfants soient susceptibles d'être exposés à ces contenus pornographiques. Or, ça peut être très jeune, on le verra après, puisque c'est de plus en plus jeune. En fait, c'est dès l'acquisition d'un smartphone, ou voire celui de ses copains, pour pouvoir prévenir l'enfant qu'il risque d'être exposé. Mmh. Et faire un petit peu de critique de ce qui peut de pouvoir prendre un petit peu de recul. La deuxième chose, c'est chez les adolescents. Alors là, c'est un problème complètement différent. L'adolescent, il va aller sur Internet pour avoir des réponses à ces questions qu'il n'ose pas poser justement aux adultes. Lui, il veut apprendre comment faire en fait, comment on fait un rapport sexuel. Et il voudrait essayer de savoir aussi ce qui va plaire aux filles pour un garçon, et les filles, comment elles doivent se comporter et à quoi elles doivent se conformer pour plaire aux garçons. Or, la norme véhiculée par Internet n'est pas la réalité de ce qui se passe dans la vie réelle. Et c'est un peu dommage que finalement, les adolescents se conforment à des choses qui ne ressemblent pas à la vie réelle. La deuxième chose, c'est que très souvent, les adolescents vont développer des complexes s'ils pensent que les images qu'ils voient sont réelles. Parce que la taille du sexe des acteurs pornographiques n'est pas la même que la taille du sexe de l'adolescent qui va regarder. Et donc, il peut avoir des complexes quand il regarde de ces films en se disant « Mon Dieu, moi, je ne serai jamais à la hauteur ». Pareil, les filles pensent que l'anatomie des actrices porno sont celles qu'elles devraient avoir. Mm-hmm. Or, les acteurs femmes et hommes pornographiques sont choisis en fonction de leur physique et leur capacité à maintenir une érection, par exemple, longtemps. Donc ça n'est pas la réalité, mais ça, ils ne le savent pas forcément. Oui. Ensuite, l'autre problème, c'est que l'image de la femme est souvent très négative, véhiculée par la pornographie. Et
d'ailleurs avec une absence de consentement, voire même de plus en plus de la une violence. Image dégradante de la femme. Voilà, il y a des films pornographiques qui sont spécialisés dans les actes violents. Et donc, ça donne une image de la sexualité qui n'est pas réelle. Et il y a aussi le fait que l'acte sexuel qui est véhiculé dans ces films est très stéréotypé. C'est-à-dire, on doit faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Or, ce n'est pas... C'est l'inverse de ce qui se passe dans la réalité, où c'est le tâtonnement, où ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, etc. Mais c'est une grande richesse, la sexualité. Or, là, c'est très stéréotypé. Et ils construisent, du coup, leur imaginaire par rapport au film. Voilà, alors, ça écrase le développement de leur propre imaginaire et de leur propre découverte de la sensualité. Et donc, voilà, ça robotise un peu, si vous voulez. Et puis, il y a une distorsion. Alors, pour les garçons, il y a un phénomène particulier qui est le problème de la distorsion des sensations physiques. C'est-à-dire que, comme le film pornographique s'est fait pour créer une excitation chez un homme qui se masturbe pour arriver à l'éjaculation et au plaisir, c'est seulement fait pour ça, eh bien, les garçons vont avoir tendance à apprendre à se masturber d'une certaine façon, mais ce n'est pas la réalité puisque c'est avec leurs mains et c'est différent de ce qu'ils vont vivre après. Relation avec une autre personne. Ils risquent d'être complètement désorientés parce qu'ils ne retrouvent pas la sensation qu'ils ont vécue, parce que l'excitation est moins forte que vis-à-vis des images pornographiques. Dans la vie réelle, c'est moins excitant. Voilà. Et donc, ils sont un petit peu déroutés. Et du coup, ils peuvent aussi se dire « c'est pas fait pour moi ». Voilà. Et tout ça peut conduire, in fine, à une incompétence relationnelle et sexuelle, un manque de savoir-faire. Avec son partenaire. Avec les partenaires en vie réelle, qui pourront conduire secondairement à de la violence, à de la contrainte et de la violence, puisque, ne sachant pas faire, on veut quand même aboutir. Donc il y a des conséquences physiques, psychologiques. Alors, on a vu pourquoi il était important de parler de sexualité avec nos enfants, mais comment le faire ? Nous avons reçu des questions de parents, je vous propose qu'on les regarde. Alors, cette première question, elle nous vient de Jean. J'ai une petite fille de 2 ans, je ne sais pas comment m'y prendre, à quel âge je dois commencer à en parler avec elle et comment. À partir de quel âge, Maëva Maffre, on peut commencer et comment on peut s'y prendre ? Il n'y a pas de règle, mais en effet, on peut commencer à en parler dès le plus jeune âge. Parce que la sexualité et la vie affective, elles concernent tout le monde et tout au long de notre vie. Donc dès le plus jeune âge, avec son enfant, dans la vie de tous les jours et sur de la vie affective, dans des petites relations, on va dire, classiques, au moment du bain, juste la nudité, ça peut être un sujet de discussion en famille, tout simplement. Okay. On n'est pas obligé de se donner un objectif bien précis pour parler sexualité, et ça doit venir petit à petit dans des sujets de tous les jours. Et justement, vous avez donné l'exemple du moment du bain. Comment on peut s'y prendre ? Est-ce que c'est Soit on peut laisser la place à l'enfant de poser des questions. Et en fonction de son âge, soit une question assez simple sera posée avec une réponse attendue assez simple, soit en fonction de l'âge de l'enfant, s'il est un peu plus élevé, on pourra un peu plus détailler. Mais par exemple, au moment du bain, avec des tout-petits, on nomme les différentes parties du corps et nommer la poitrine, nommer le pénis du garçon, avec des vrais mots, ce sont des choses qui sont complètement accessibles à tout le monde. Et je pense qu'il faut juste essayer de faire les choses les plus simples et comme on le sent. Okay. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle. Alors, je vous propose de passer à la deuxième question. L'autre jour, mon fils de 7 ans m'a demandé pourquoi je donne des bisous à sa mère. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation, Martine Noël ? Est-ce que vous auriez conseillé à ce papa ? Oui, je pense qu'on peut dire à cet enfant que les adultes, quand ils s'aiment très fort, ils ont envie d'être en contact et en relation très forte l'un avec l'autre. Et que ça passe par exemple par le fait de se prendre dans les bras, par le fait de parfois se faire des bisous, s'embrasser, se toucher. Voilà. Ça fait partie du fait qu'on a envie de partager quelque chose de fort. D'accord. Alors, dernière question qui nous vient cette fois-ci de Laura. Un matin, mon petit garçon m'a demandé pourquoi son zizi est debout le matin. J'ai évité le sujet car j'étais trop gênée. Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé à cette maman ? Alors, il faut savoir que le fait que le zizi est tout droit, ça veut dire qu'en fait, le pénis est en érection. Et ça peut survenir très tôt dans la vie de l'enfant, d'un petit garçon. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes d'érections. Il y a l'érection, par exemple, à l'âge adulte, quand on a du désir.
Mais ce n'est pas la seule érection qui existe chez l'humain. Il y a aussi l'érection réflexe quand on touche les organes génitaux. Et puis, il y a aussi, plus tard, les érections nocturnes ou au petit matin, qui peuvent survenir au moment de la puberté, de l'adolescence, etc. Donc, je pense que ce petit garçon, peut-être qu'en fait, il avait touché son pénis et que par réaction réflexe, il y a eu une érection. D'accord. Mais il faut... Voilà, il faut pas stigmatiser. Ce qui est important, c'est de pas dire c'est sale, c'est mal, qu'est-ce que tu as fait, quoi. Parce qu'il est il est en train de découvrir son corps. Oui, voilà. Alors, les attentes et les besoins des enfants sont pas les mêmes selon l'âge. Jusqu'à 3 ans, par exemple, c'est éminemment la découverte des sensations, la découverte du corps. Et donc, c'est important de pouvoir répondre aux questions quand il y a des questions, mais de façon simple, ce que tu disais. Voilà. Et peut-être que plus tard, il reviendra avec des demandes de précision. Chez l'adolescent, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, l'adolescent, il a besoin de réponses plus précises sur notamment comment on fait pour séduire, etc. Et donc là, il faut être en capacité de peut-être lui donner davantage de temps et de réponses. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des mots, puisqu'on disait à partir de quel âge et comment le faire, je pense que l'exemple des parents est très important, c'est-à-dire que instaurer un climat de confiance, instaurer un climat de respect et montrer son amour à l'enfant, montrer son amour dans la famille, à la maison, au partenaire, l'enfant, il observe, il écoute. Donc, je pense que déjà, les adultes ont un rôle essentiel pour montrer des choses qui sont favorables à son développement, au-delà des mots. Alors, on a prodigué des conseils, des pistes sur ces cas concrets qu'on a eu des parents pour aborder le sujet. Mais pour ceux qui ne se sentent vraiment pas à l'aise avec ça, est-ce qu'on a des ressources pour leur conseiller vers qui se tourner ? Est-ce qu'il existe des supports sur lesquels ils peuvent s'appuyer, des structures qu'ils peuvent contacter ? Oui, il existe de nombreuses ressources sous différents thèmes, j'ai envie de dire. Déjà, il y a des ressources avec des livres qui sont accessibles pour tout le monde et qui sont en fonction générale de l'âge de l'enfant. D'accord, on va pouvoir avoir des livres qui sont consacrés sur le petit enfant, des livres consacrés aux adolescents, sur justement cette vie affective, ce relationnel, cette notion de puberté, cette notion d'anatomie, les notions d'amour après par la suite. Donc les livres, ça peut vraiment être une ressource pour tout le monde, pour chaque famille, parce qu'on n'est pas obligé de le verbaliser. On peut laisser traîner un livre à la maison volontairement et ça sera un outil sur lequel on peut s'appuyer. D'accord. Il y a aussi, on parlait un petit peu des réseaux ou d'Internet, il y a des choses très dangereuses avec Internet, mais il y a des choses aussi très utiles. Mm-hmm. Il y a des sites protégés et faits pour ça, construits, et qui sont une vraie ressource, autant pour les enfants que pour les adultes, que pour les parents. Ok, super. Le temps nous manque, on arrive au terme de cette émission. Avant de vous quitter, je vous propose que l'on change de sujet et que l'on parle environnement. En quoi les mangroves sont un écosystème d'une grande importance ? Élément de réponse avec Thibaut Bizien. Salut les amis, aujourd'hui je vous propose qu'on parle de la mangrove, cette forêt sur l'eau, cet écosystème si particulier qu'on qualifie souvent de sale ou d'insalubre, alors qu'en réalité il est si primordial et notamment pour les petits territoires insulaires comme le nôtre. Alors je vous propose qu'on voit 5 choses importantes par rapport à la mangrove. Première chose, c'est un filtre pour l'air, dans la mesure où la mangrove va capter le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère et le stocker dans les boues des marécages. C'est ce qu'on appelle la séquestration carbone. Et en ce sens, elle va jouer un rôle pour lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'elle va récupérer et enfermer le dioxyde de carbone, qui est le gaz à effet de serre principal responsable du réchauffement climatique. Deuxièmement, c'est également un filtre pour l'eau, puisque la mangrove est située en littoral, en embouchure très souvent, et donc elle va séquestrer les sédiments qui peuvent arriver, qui peuvent être nombreux, notamment en période de pluie comme aujourd'hui avec la Niña, puisqu'on a de nombreux phénomènes d'érosion au pays, et donc la mangrove, elle joue un filtre naturel, un rempart, pour éviter que ces sédiments ne viennent directement polluer le lagon et le large. Troisièmement, c'est une protection naturelle contre les phénomènes climatiques, notamment au niveau des côtes et du littoral. Elle va nous protéger contre les phénomènes cycloniques, mais également contre les tsunamis ou encore contre l'érosion qui peut être liée à la montée des eaux.
Quatrième chose, la mangrove, c'est un milieu nourricier, tout simplement parce que il va y avoir plusieurs centaines d'espèces de poissons du lagon qui vont venir pondre directement dans la mangrove pour que leur progéniture grandisse protégée des prédateurs au milieu des palétuviers et qu'ils puissent par la suite, plus tard dans leur développement, regagner le large directement. Et donc ça, c'est important puisque elle va permettre aux gens de pouvoir se nourrir, hein, de pêcher et donc de manger. Cinquièmement, la mangrove est importante au niveau culturel. On ne le dit pas suffisamment, mais comme beaucoup d'éléments de notre environnement, elle nous permet de définir notre culture. Et notamment, la mangrove, elle rentre en jeu dans la question de la fabrication de la médecine traditionnelle, puisque certains éléments de la mangrove peuvent être utilisés comme médicaments. Mais aussi, on peut utiliser le bois ou l'écorce pour fabriquer des objets, et notamment, par exemple, les tapas. Certains pieds de palétuvier peuvent servir à réaliser des tapas. Et donc, en ce sens, il faut la protéger, puisqu'en protégeant cette mangrove, on va pouvoir aussi protéger notre culture. Et de manière générale, c'est important du coup de protéger cette mangrove qui nous rend bien des services au quotidien, mais aussi de protéger la nature de manière générale, puisque notre qualité de vie en dépend. Merci à vous mesdames et merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée en notre compagnie.